Dans sa dynamique, l'Alliance des États du Sahel AES mobilise la diaspora africaine. Originaire de l'Afrique de l'Ouest et centrale, des jeunes s'engagent contre le système impérialiste en Afrique à travers une organisation africaine appelée PARISC. Après le Mali et le Niger, les membres de l'organisation, dans leur tournée, sont reçus dimanche dernier au Burkina. Le point avec Ismaël Ouédraogo et Chantal Ouédraogo. C'est une délégation de l'Organisation internationaliste panafricaine PARISC. Originaire du Cameroun, du Ghana, de la Guinée et de l'Haïti, ils sont au Burkina Faso pour apporter leur soutien au peuple de l'Alliance des États du Sahel et saluer le leadership des autorités de ces trois pays. En collaboration avec le mouvement burkinabé 2 heures pour Kamita, ils tiennent ces échanges avec des étudiants, des représentants de la société civile et des activistes burkinabés. Le but étant de susciter la solidarité panafricaine afin de renverser la domination impérialiste partout en Afrique. Pour les membres du PARISC, le ton est donné à partir du Sahel. C'est vraiment faire comprendre à l'Alliance du Sahel qu'ils ne sont pas seuls. Je pense qu'il était important qu'on vienne vous rappeler que toute l'Afrique vous regarde et le monde vous observe. Quand je dis ça, c'est très sérieux comme message. Ce que je souhaite, c'est que tous les autres Africains se réveillent et se rallient à la cause. Et notre mouvement, le PARISC, est une organisation internationaliste de tous les résistants du peuple du monde entier. C'est un acte de générosité et c'est un acte de fraternité. Et je pense que c'est un signal fort aux autres diasporas qui sont encore silencieuses, qui regardent cette dynamique révolutionnaire, glorieuse de loin, que c'est le moment de s'impliquer. Des partages d'expériences pour s'enrichir mutuellement et consolider la bataille pour la souveraineté africaine. Et cela passe par une alliance solide autour du Sahel. Avant le Burkina, la délégation du PARISC était au Mali et au Niger pour prêcher cette cause.